particulièrement dire un grand merci hein, au haut commissaire. Hier, jusqu'à 23 heures, il ne savait pas s'il pouvait être là. Et il a dû veiller pour faire le voyage. Et à 8 heures, déjà, il m'a appelé. Il dit, je suis à la porte de l'université. Je crois que c'est le signe d'un engagement, c'est le signe du soutien qu'il apporte à la recherche de façon générale et puis à l'Université de Paracou de façon particulière. Merci beaucoup pour cela. Et vous savez, au niveau des réformes que nous avons apportées au niveau de la recherche scientifique, nous avons élaboré un plan stratégique de la recherche qui fait évidemment de la question de la gestion durable des ressources naturelles, notamment les ressources pastorales, une priorité. Et nous l'avons sollicité comme évaluateur. Donc il a eu à évaluer des projets de l'Université de Paracou qui rentrent en lien avec le plan stratégique qui est aussi arrimé à la politique nationale et même internationale. Nous l'avons fait à dessein pour qu'il sache que l'Université de Paracou est prête, aussi bien dans sa stratégie que dans ses ressources et que dans les ressources dont elle dispose. L'Université de Paracou devra accompagner. Ce qui est de notre côté, nous allons le faire pour accompagner cette vision du gouvernement et puis du haut commissariat. Nous ne demandons qu'à être sollicités et afin d'apporter notre expertise. Encore une fois, bonjour. Je voudrais remercier vraiment le laboratoire pour m'avoir donné l'occasion d'être avec vous. Et qu'on parle d'un sujet qui a suscité beaucoup de débats. Mais pour en débattre davantage, il faudrait peut-être qu'on puisse le présenter et le présenter tel que le gouvernement le conçoit, c'est-à-dire au-delà du concept sédentarisation et au-delà des oppositions de concept sédentarisation, transhumance, pastoralisme, tout ce qu'on veut. Il faudrait que le gouvernement puisse donner sa lecture de ce qu'il entend. Et quelles sont les orientations qu'il a données dans le cadre du secteur de l'élevage, et notamment de l'élevage pastoral. J'aime souvent démarrer ma présentation par cette image. Quand on voit ça, on n'a pas besoin de faire beaucoup de débats ou de discours. Ça, c'est le contexte dans lequel nous vivons. Ça, c'est ce qui se passe pendant que nous sommes dans nos bureaux climatisés, pendant que nous sommes en... Nous circulons tranquillement, on retrouve nos familles tous les soirs. Mais on a des parents, on a des communautés, agriculteurs et éleveurs, c'est leur vécu quotidien. Je voudrais que vous regardiez cette image au démarrage de cette présentation, pour qu'à la fin, on puisse vous montrer une autre image. Nous sommes en élevage. Le ménage est basé sur l'exploitation des parcours naturels, pas de pastoralisme, mais c'est la valorisation des ressources naturelles. Que ce soit en Mauritanie, ou que ce soit au Kenya, en tout cas sur toute la bande de l'Afrique intertropicale, nous sommes sur ce mode de production en matière d'élevage. Que nous traversons souvent de grands conflits entre agriculteurs et éleveurs. Mais il n'y a pas que ça. Parce qu'il y a autre chose. De plus gai. Il y a la fraternité, les gens vivent, les gens se nourrissent, les gens vivent de ça, les gens s'entraînent. Le commerce interrégional, intra, se développe. Ça permet au peuple de s'intégrer davantage. Donc il ne faut pas voir que l'aspect lugubre et sombre, c'est des activités. Vous savez également que nous faisons face aujourd'hui à la pression foncière due à l'essor de deux systèmes de production qui sont l'agriculture et l'élevage. Avec les avancées, que ce soit en matière de santé animale ou en matière également de maîtrise des itinéraires techniques de production, qu'aujourd'hui vous avez le Bénin pratiquement ouvert le premier au niveau de la production, au niveau de toutes les spéculations, que ce soit le coton, le soja, même si le soja marque un peu le pas cet temps-ci. Mais également d'autres spéculations sur lesquelles le Bénin est en train de se repositionner.
cela ne va pas sans conséquence sur l'envahissement, sur les terres qui, j'avais été réservées au parcours naturel. Donc la confrontation, la pression est au rendez-vous et de plus en plus présente. Vous savez également que la question du changement climatique, c'est une de nos réalités aujourd'hui. Il y a 10 ans, 20 ans, quand on parle du changement climatique, même avec un professeur d'université, il faut beaucoup discourir, il faut expliquer, il faut démontrer. Et aujourd'hui, mon oncle, qui est là, Karim Maman, il peut mieux vous expliquer ce que c'est que le changement climatique. Parce qu'il le vit au jour le jour. L'insécurité sur le journal également, il y a quelques années, on pensait que c'est l'affaire des Sahéliens. Quand on voyait les gens s'affronter, quand on voyait des massacres de tout un village, on pensait que c'était l'Afghanistan, c'était l'Iran. À la limite, c'était même parfois beau à voir, puisque c'est loin de nous. Parce qu'on avait l'impression que c'était des films. Ce sont des réalités tangibles avec lesquelles aujourd'hui nous flirtons tous les jours. Et que certains de nos compatriotes y vivent déjà, vivent avec cela. La question de l'insécurité sur le journal. Il faudrait qu'on prenne conscience de cela pour qu'on puisse mesurer un peu l'accord ou notre implication pour qu'on puisse changer cette donne. La popularisation au niveau des jeunes, au niveau de nos femmes, il ne faut pas aller au-delà du parcours pour s'en rendre compte. Il faut aller dans certains quartiers, même les quartiers au centre du parcours pour se rendre compte de ce qui se passe réellement dans nos ménages. Ça veut dire que dans nos contextes, l'environnement est vraiment, malgré les avancées, malgré tout ce qu'on peut énoncer comme résultat, nous avons encore d'énormes défis à relever. Les enjeux des défis par rapport à l'élevage pastoral, et puis l'élevage pastoral, on peut dire, à sa transformation, à son évolution vers la sédentarisation. Le premier élément, je peux dire, c'est socio-économique. Vous savez, quand on parle de l'élevage, de ruminants en Afrique, on voit tout de suite, c'est communautaire, c'est culturel. De ça, il ne faut pas s'ignorer, c'est une activité qui est portée par une communauté et un peu en général. Quand on parle de l'élevage pastoral, on va au-delà du Bénin, vous avez plusieurs autres communautés qui en font un élevage que nous on appelle élevage de vie. Parce que le mode de vie de celui qui a les animaux se confond à la vie de cet animal. L'enjeu ici, c'est l'accès aux ressources. Et par rapport à l'accès aux ressources, je vous assure que chaque acteur développe toutes sortes de stratégies pour pouvoir, ou le premier, en termes d'occupation, ou en tout cas développer des stratégies pour que pour s'en accaparer le plus longtemps possible. Que ce soit agriculteur, que ce soit éleveur. Donc il n'y a pas l'un qui soit plus perturbateur que l'autre. Agriculteur et éleveur, chacun développe des stratégies pour la survie de son exploitation familiale, de sa communauté, de sa localité, d'un point très très. On peut traiter les uns de sauvages par rapport aux autres, mais parfois sans savoir le fondement de ce qui oppose en fait les facteurs, ce qui a déclenché parfois un conflit. Autour de l'élevage de ruminants, prenez seulement le marché de Tour ici. Si ce marché est très bien géré, le marché de Gabon, demandez aux élus locaux ce que cela rapporte. Mais allez sur les corridors, sur les couloirs, quand les animaux quittent le Sahel, dans le cadre du commerce de bétail, et qu'ils traversent les pays côtiers, il faut aller jusqu'au grand marché du Nigeria. Tout ce que cela peut générer comme ressources en fait. Donc, c'est des enjeux énormes en termes de ressources. Il y a un maire qui a dit la dernière fois avoir une rencontre. Depuis que vous avez interdit la plantation transfrontalière, moi je perds pratiquement 50 millions de la caisse de ma commune. Je dis, mais monsieur le maire, s'il n'y avait pas cette interdiction, on n'aurait jamais su combien en fait dans votre caisse. C'est pour montrer que dans ce mouvement, les enjeux économiques sont énormes. Vous avez dit tantôt, c'est identitaire, c'est culturel, mais
la culture, l'environnement, tout peut s'adapter. Ou parfois, cela s'impose qu'on puisse impulser des changements et nous adapter aux évolutions. La preuve, vous en avez ici qui sont avec des tablettes. Il y a quelques années, il y a 2 ans, voir quelqu'un se déplacer comme ça, la personne ferait peur, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, c'est devenu très naturel. Ça veut dire qu'il y a des choses, si on y touche, et qu'on amène petit à petit les gens à adopter cela et en faire leur vécu, ça va devenir réalité, ça va devenir pratique courante. C'est pour ça qu'il n'y a rien qui puisse vous bloquer par rapport à un certain nombre de choix que nous proposons aujourd'hui. Parce que les gens pensent que quand on parle de sédentarisation, on veut acculturer, on veut sortir les éleveurs de leur culture, de leur foulanité, pour les exposer. Quelle capacité nous avons à nous projeter, à regarder nos évolutions d'ici 10 ans, 20 ans? Est-ce que le mode de production actuel nous permet de venir jusqu'à 10, 20 ans? Est-ce que les systèmes, les itinéraires techniques que nous pratiquons aujourd'hui, est-ce que cela nous permet de tenir avec le poids de développement que nous avons sur les 10, 20 prochaines années? C'est tout la question. Je pense que ça, chaque pays devrait s'interroger par rapport à cette problématique. Vous savez, au Bénin, nous avons, en gros, hein, si on compte même tout ce qu'on nous dit par le vétérinaire, parce qu'il vient piquer aux animaux, 2 millions de têtes de bovins. Ça, c'est le Bénin. Vous prenez le Tchad, tous les ruminants confondus, ils ont environ 120 millions de têtes de bovins, de ruminants. Il faut nourrir, il faut abreuver, il faut de l'espace pour aller et venir, parce qu'ils ne sont pas encore dans la réflexion de comment amener chacun à avoir un terroir. Donc, à leur niveau, on ne peut même pas poser cette question aujourd'hui. Parce que l'éleveur a tellement de puissance, l'éleveur a tellement de poids économique dans ce pays. Il y a certaines questions qui ne peuvent pas être abordées aujourd'hui. À la fin, il n'y avait plus d'arguments en fait pour contester notre politique de sédentarisation. Seulement, ils demandent de les aider à trouver les arguments pour parler. Parce que certaines techniciens disent, même s'ils rentrent par une famille, ils ne peuvent même pas évoquer ça dans leur propre famille. On va les écouter, c'est comme ça. Il n'y a pas de champion ici, ils peuvent parler libre. Les défenseurs de la libre circulation des animaux, en tout cas de la transhumance, ont beaucoup de thèses, de théories sur l'écologie par rapport à la diffusion de certains plantes, par rapport au maintien de certains plantes. Oui. Tout ça, on va tenir compte. C'est climatique. De toute façon, les gens vont s'adapter en fonction de ce que l'environnement leur présentera. Quelque chose de plus concret, c'est ce que nous avons pris comme mesure. Le gouvernement du Bénin a adopté de promulguer le code pastoral. C'est une première par rapport à un pays qu'on appelle un pays côtier, où le levage en termes de contribution au PIB ne dépasse pas 5-16%. D'accord? Dans d'autres pays, la contribution au PIB de l'élevage va jusqu'à 20%. Et ailleurs jusqu'à 30%. On a produit quand même le code pastoral. Pensant que c'était la fin des problèmes. Mais ça n'a pas suffi à arrêter tout ce qu'on voyait comme pression et comme conflit. Il y a eu l'interdiction de la transhumance transfrontalière. On a pu fermer les portes. Mais je vous avoue qu'on n'a pas pu fermer les fenêtres. La toiture aussi a parfois des trous où ça tourne. C'est ça nos réalités. Et le grand voisin de l'Est a un cheptel tellement impressionnant que parfois quand il arrive, les gens préfèrent dégager et les laisser passer. Parce que vous êtes habitué à avoir un troupeau de 30 têtes, maximum de 100 têtes. Et vous voyez maintenant 1000 têtes de bœufs en train de venir.
quand il vaut mieux se tâcher, laisser passer l'autre, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans, ce qu'il y a derrière. Ça, c'est la réalité de l'élevage dans notre environnement. Mais avec l'interdiction, le flux a diminué. Et les communes frontalières peuvent le reconnaître. C'est un message fort également que nous adressons aux pays environnants. Il faudrait que les gens puissent se reconcentrer sur l'élevage et investir à la dimension de ce que l'élevage rapporte au PIB de leur pays. Si chacun fait un effort, c'est sûr qu'il y aura moins de friction entre les pays par rapport à la mobilité pastorale. Il faudrait que le Niger, le Burkina, les pays sahéliens puissent revoir un peu leur plan d'investissement par rapport au sous-secteur de l'élevage. On a mis en place le chef de l'État par un comité de sécurisation des espaces de pâturage qui est dirigé aujourd'hui par l'ancien secrétaire général de la police nationale. Il y a eu la création du comité d'orientation pour le développement de l'élevage. C'est vraiment de niveau très stratégique pour accompagner les ministères sectoriels dans le cadre tant au niveau de la formulation des politiques en matière de sédentarisation, mais également accompagné dans la mise en œuvre. Vous voyez que de plus en plus la notion de transhumance au niveau de nos comités, au niveau national, commence par sortir du vocabulaire. Donc, au niveau national aujourd'hui, c'est le développement de l'élevage. C'est un comité qui comprend un certain nombre de ministres. Tous les ministres sectoriels dont les activités touchent à la question de la mobilité, de l'élevage et de l'agriculture, et qui touchent également à la question de la sécurité. Puisque dès qu'on parle d'élevage, dès qu'on parle de mobilité, la question sécuritaire également s'invite. Vous avez un certain nombre de projets, programmes qui ont été lancés, notamment le projet COSER qui a été le premier qui a été lancé, le projet de sédentarisation des ruminants. À ce projet aujourd'hui, nous avons un deuxième projet qui est le projet de cohésion sociale de la Banque mondiale. Nous allons en parler tout à l'heure. Après avoir fait toutes ces réformes, toutes ces orientations que le chef de l'État a données, nous avons formulé un programme de sédentarisation des ruminants. Donc, tous les financements, tous les projets programmes, tous les projets seront logés à ce programme. Ce programme est articulé autour de quatre objectifs spécifiques. Donc le premier est de promouvoir une gestion rationnelle des ressources pastorales dans un environnement sécurisé. Les résultats attendus sont là. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Le deuxième objectif spécifique est d'améliorer les conditions d'accès au foncier et au service pour l'agro-éleveur. Le troisième objectif spécifique, c'est de réaliser les infrastructures. Parce que, quel que soit le discours qu'on fera, si on ne met pas en place les infrastructures pour permettre à l'éleveur et à l'agriculteur de séparer dans leur environnement, on ne va pas finir avec les conflits. On fera toujours le nid de ces vendeurs de lésions qui, de plus en plus, gagnent du terrain dans nos pays côtiers. Il faudra qu'on essaie de leur couper, comme on le dit souvent, mettre sous les pieds. Les infrastructures dont nous parlons, c'est les infrastructures en eau, forage, retenue, sucreusement. On a évalué cela et le montant qui est ici, c'est ce qui va permettre ne serait-ce que de réduire au maximum les distances que les gens parcourent seulement par rapport à l'eau et au pâturage. Peut-être qu'on puisse réduire ça. L'aspect culturel va être infime dans ce déplacement. Parce que je voudrais vous rappeler, au Bénin, nous n'avons pas de nomades. Nous ne faisons pas de nomadisme au Bénin. Nous avons des éleveurs. Vous avez autour des villages, des campements, c'est des gens qui sont venus peut-être il y a 2 ans, d'autres il y a 30 ans, il y a 50 ans,
chacun a son point d'attache. Ça lui appartient, ça lui appartient pas, c'est une question. Je dis souvent, au Bénin, nous sommes dans la semi-sédentarisation, il y a des justes. Maintenant, l'enjeu foncé amène souvent à ce que les gens se déplacent. Sinon, faire de la sédentarisation ou officialiser cela, il n'y a rien de nouveau dans nos pratiques. Si vous allez à beaucoup se raconter, vous avez des communautés, une communauté qui est installée, qui a beaucoup. C'est pareil dans toutes nos communautés. Il y a des communautés qui sont installées, qui ont leur troupeau, mais le troupeau bouge. La famille est sur place. Notre grand défi, c'est de voir comment on réduit au maximum, un, les distances parcourues, deux, la durée du déplacement. Si de proche en proche, on arrive dans chaque commune à résoudre ce problème, on va mieux intégrer ces communautés qu'on considère venir d'ailleurs ou qu'on considère toujours étrangers. Avec la notion de pasteur, avec le chef de l'État, on a eu ce débat. Si vous dites qu'ils sont pasteurs, ils sont passagers, ils sont dans le pastoralisme. Donc c'est normal qu'un paysan qui a grandi, sachant que le pasteur c'est quelqu'un qui est de passage, quand il voit un campement installé, même si c'est 50 ans, il dira non, ils sont venus. S'ils sont venus, c'est qu'ils doivent repartir. Alors qu'il y en a qui sont les premiers occupants. De plus en plus, vous allez voir dans nos documents, on parlera de l'élevage, du développement de l'élevage, on parlera de l'agriculture. Un point important. Quatrième objectif spécifique qui est en lien avec l'amélioration de la productivité. Parce que vos races, je vous avoue, vous connaissez, vous savez, une vache, c'est combien de litres par jour? Un litre et demi. Il faut combien de vaches pour nourrir une exploitation familiale? Donc c'est normal que les gens soient toujours portés que sur le nom. C'est vrai, c'est culturel, mais le culturel là, pour laisser, pour léguer quelque chose à ta descendance, si c'est une vache qui produit un demi-litre, tu es obligé de lui léguer au moins une certaine quantité. Mais si tu as une vache qui produit 5, 10, 20 litres, quand tu vas laisser deux de ces vaches à ton enfant, tu dois laisser quelque chose d'important. Donc, il faut comprendre la psychologie dans laquelle les gens se trouvent. Donc nous, techniciens, nous, chercheurs, nous sommes interpellés depuis 1960. Donc c'est des défis que nous ne pouvons pas relever en comptant sur ce qui se fait ailleurs. Est-ce que le format de l'animal est en adéquation avec ce que l'éleveur peut la reconnaître comme animal? Donc on a beaucoup travaillé et nous avons vraiment une grande porte qui est ouverte par rapport à ça. On doit améliorer la productivité de nos races. On doit passer de 1 litre 5 ans à 5 voire 10 litres pour que nos éleveurs réellement sentent qu'en ayant 50 têtes de bœufs, il peut être un acteur économique viable dans son environnement. Parce que d'ici 10 ans, 20 ans, on va se rendre compte que avoir un troupeau de 100 têtes serait difficile de vivre dans certaines communes. On dit aux éleveurs qui aujourd'hui, leur seule destination pendant la sécheresse, c'est les bas-fonds de la vallée de Douémé ou de la région à Gonli, c'est-à-dire Zayanado, Wengi, Kovet, Zakota. D'ici 10 ans, même si on te donne 1 million qui est allé, tu ne verras pas. Parce qu'il n'y aura plus d'espace. Tout ce temps que nous sommes là, où les jeunes qui n'êtes pas encore mariés, là, votre premier rêve, c'est vrai, c'est d'avoir un enfant, mais c'est d'avoir aussi votre femme. Après la femme, c'est des enfants. Notre population actuelle, quand on était revenu là, on était tout fait, c'était
système. On est en train de doubler pratiquement la population en termes de. Quoi? Ben, 30 ans, oui. Et on n'arrête pas. Vous savez aussi, il y en a là que je reconnais là, qui ont 2-3 femmes. Je ne me compte pas dedans. Bon, il faudrait qu'on prenne conscience aujourd'hui, il faut qu'on s'arrête et qu'on notre autre opportunité aux communautés. Et qu'on les aide vraiment à faire le choix approprié. Je ne dis pas qu'on détient la vérité par rapport à ça. L'université va nous aider à parfaire l'analyse. Parce que ça, c'est nos réalités. Ce n'est pas des images d'il y a 2 ans. Mais seulement l'année passée. Donc la sécheresse passée. C'est ce qu'on a eu comme résultat. On ne va pas donner les localités, mais c'est dans plusieurs localités du Bénin. Ce n'est pas le Sahel. Ce n'est pas là où on attend qu'on a tué 10 personnes, 20 personnes par jour. Non, c'est chez vous. Il faut désenclaver certaines régions. Il faut offrir des opportunités aux jeunes dans ces milieux, que ce soit agriculteurs ou éleveurs. Il faudrait offrir des opportunités aux femmes. Donc c'est pour ça que ces ressources ont été mises à disposition. Pour finaliser, le recrutement du personnel des unités régionales. Parce que le projet a poussé à l'unité nationale. On a fini le recrutement, la mise en place de l'équipe. Il y aura 2 unités qui vont relayer en fait, le projet sur le terrain. Il y aura un bureau à Tarapo. Il y aura un bureau à la Titego. Et l'idée, c'est de travailler dans les 27 communes des 4 départements. Ce qui est sûr, nous sommes en train de mettre en place, on va les tester, les premiers modèles. Certainement dans les 4 départements, en termes de cadre de concertation et au niveau de chaque cadre de concertation, du niveau communal jusqu'au niveau départemental, on aura des points focaux qui vont être le cordon ombilical avec le comité qui se trouve au niveau sommet. Et aussi, n'oubliez pas que nous avons des ministères sectoriels qui ont leur démembrement dans nos communes. On n'a pas la prétention. Dès qu'on va toucher tous les villages. On a fait une étude qui nous a permis de faire un ciblage tenant compte de 2 critères. Il y a la vulnérabilité par rapport à la question sécuritaire et il y a aussi le niveau, ça c'est un critère lié au système de l'agriculture, la disponibilité des infrastructures agro-pastorales. Il y a un fonds qui est réservé également pour les femmes. C'est la composante 3 de ce projet qui est porté par la BGF, le professeur Barreau. Et tout ce qui a comme étude, recherche, est logé dans cette composante. Et ce qui est intéressant, c'est que la plupart des études, des recherches qui vont se faire, on est en discussion avec les 3 autres pays pour que cela se fasse de façon transversale sur les 4 pays. Là, c'est le même bailleur, c'est le même partenaire qui finance. Bien si on veut apprécier par exemple le niveau de paupérisation de nos jeunes, ou les jeunes qui ont fini d'étudier et qui sont à la maison, on peut faire de ces recherches, de ces études pour apprécier. Ou bien quand on parle de sédentarisation, quel est l'impact que cela a sur nos communautés en lien avec leur vécu social, culturel. C'est-à-dire que le budget sera en fonction de l'ampleur du dégât qu'on aurait subi. Donc, comme je le disais, c'est une composante de 90 millions, le projet de 90 millions de dollars pour le Bénin. Et la première composante à un seul représente 67 millions de dollars. Je voudrais rassurer les uns les autres que l'approche, la stratégie de mise en œuvre, c'est la DCCC, développement conduit par les communautés. Ça veut dire que l'essentiel des fonds du projet vont passer par le trésor et mis à disposition du budget communal. Donc c'est les ressources qui sont affectées au niveau de la commune, mais pour répondre aux besoins que les communautés auraient identifiés et qu'on aurait aidé à monter un projet pour financer.
près de 50 millions de ces ressources-là vont passer par ce cheminement en termes de flux financiers. Le reste va être géré au niveau de l'unité de gestion du projet. Donc la spécificité du procès, c'est que nous sommes en train de faire des tests, un peu des modèles de zones d'habitation entre agriculteurs et éleveurs. Vous entendez souvent parler de campement pastoral. Qu'est-ce que ça dit? On prend un espace où vivent les éleveurs, où vivent les éleveurs plutôt, et autour de cet espace-là, on prend une superficie de 20 à 50 hectares. En aménageant ces zones, ça nous permet de savoir pendant la sécheresse quelle est la durée, parce qu'il y a une capacité de charge par rapport à cet espace. Quel temps les animaux vont faire là? Et à quel moment il y a la rupture complètement des ressources et qui nécessite que les animaux bougent? Mais à côté de cela, on continue à travailler sur les aménagements dans chaque commune. Où on dit que chaque commune doit dégager des zones qui soient dédiées à l'élevage. Ça, c'est le gros défi. Parce qu'aujourd'hui, personne ne veut qu'on touche à son terroir. Mais il le faut. Pour le gouvernement le faire aujourd'hui, demain, la nature va nous l'imposer. Et ce serait à la suite de confrontations sur la guerre avec la président de la loi. Ce n'est pas seulement entre agriculteurs et éleveurs, c'est entre agriculteurs. Parce que quand on parle de Marandine, de Karimama, il y a certaines communes aujourd'hui, l'accès, le problème foncier n'est pas seulement entre agriculteurs et éleveurs, parfois c'est entre agriculteurs. En termes de campement également, il y a un modèle qu'on est en train de tester à Gogou, qu'on appelle un campement pilote. On a pris 1000 hectares. On veut voir comment cela va porter d'ici 2-3 ans. Ce sont les moyens d'investir dans cette zone. De renforcer les zones de pâturage, de faciliter l'installation des éleveurs. C'est des modèles qu'on va tester. S'il y a des aménagements, des rectifications à faire, on le fera aussi à mesure. Je l'ai dit, on n'a pas une solution miracle par rapport à ça. La seule chose qu'on sait, il faut mobiliser des ressources pour soutenir le système de production élevage. On fait des tests, faire certains nombres de modèles d'installation et de collaboration entre agriculteurs et éleveurs. Il faut beaucoup expliquer pour que les gens soient sensibles qu'en investissant pour dégager 50 hectares, ça nous permet de sauver 10 vies. Ça permet à l'agriculteur de protéger son exploitation à plus de 80% au lieu de perdre 80%. Ça permet à l'éleveur de sauver ses têtes de bœuf. Et au finish, on sera en train de construire la paix entre les communautés. Et on a fait l'option de donner des orientations. On a fait l'option d'avoir de travailler avec une orientation, une vision du chef de l'État. Que nous essayons maintenant de monnayer en termes de programme, de projet, pour que cela soit réalisé. Mais on ne le construit pas seulement dans les bureaux, on le construit avec les acteurs. Si vous avez l'acteur qui est représenté, quand vous avez Côte-Armée aussi, il y a Côte-Armée, vous avez APES qui est représenté. On travaille également avec la PINOPA, avec CIPRO, avec toutes les autres. L'organisation agro-pastorale. C'est important parce que tout ce que nous concevons, il faut le concevoir. Non seulement avec eux, parfois il faut aller tester sur le terrain. Et s'il y a des rectifications à apporter, on le fait ensemble. Il y a normalement beaucoup d'études également à faire là. Normalement, l'université également à sa place. Au niveau du projet COSER, il y a déjà montré ce qu'il y a. Au niveau de COSER, il y en a, puisque là, c'est sous ma responsabilité directe. Le dernier point à aborder, c'est ce qui va nous intéresser peut-être. Quand on parle de sédentarisation, quelle est l'explication en fait pour la recherche? Professeur, vous allez arriver de ça. Le premier élément, c'est tous ceux qui sont tous aux études sur les systèmes d'élevage sédentaire. Il faut regarder. Ailleurs,
vous prenez certains pays de l'Afrique de l'Est, les gens sont plus évolués. Les gens travaillent dans les exploitations familiales en faisant de l'insémination. D'accord? Les gens travaillent sur des troupeaux de noyaux très réduits. Parce que la productivité normalement est déjà assez importante par machine, donc c'est normal. Ensuite, on voit par rapport à notre contexte, notre environnement, comment on peut l'adapter. Sur cette question, je pense que vous avez d'énormes sujets à dégager. Des sujets que l'on veut exploiter tout de suite. Il faut présenter des résultats. Il faut sortir quelque chose. Même si la politique, il faut faire des projections sur 10 ou 20 ans au moins. Mais il faudrait qu'on puisse travailler sur des thématiques plus pour produire quelque chose d'exploitable. On peut travailler sur certains sujets qui aient des portées plus. Donc on a besoin également de ça. Il faut évaluer l'impact de ces nouvelles orientations, de ces changements, parce que les gens le voient plus comme des contraintes que comme des nécessités où c'est naturel. On doit y arriver. On voit également au niveau environnement quel est l'impact en fait. Est-ce qu'il y aura plus de concentration? Les distances sont plus réduites avec ce cheptel. Quel est l'impact? Non seulement au niveau communautaire, mais au niveau également écologique, au niveau environnemental. Au niveau économique et socio-économique, quelle incidence ces changements ont sur la vie des acteurs? Comme je le disais, il faut voir aussi à long terme, évaluer les tendances au niveau de la sédentarisation. Qu'est-ce que cela va donner? Il faut faire des projections. Il faut qu'on le regarde ensemble. Il faut qu'on n'ait pas parfois la tête trop baissée sur nos décisions politiques, stratégiques, et qu'on oublie que si on projette au niveau de la recherche, on peut avoir tel ou tel retombé par rapport aux décisions qu'on a faites aujourd'hui. Nous sommes prêts à interagir, nous sommes prêts à questionner même les choix qu'on a eu à faire. Il faut apprécier les difficultés d'accès à certains de services. Aujourd'hui, on se dit, en réorganisant les éleveurs, en facilitant, en diminuant les distances, on facilite l'accès à l'école, on facilite l'accès au centre de santé, on facilite l'accès à certains nombre de services. Mais demain, quand on aura sédentarisé 40%, quel autre impact ça dans une région où peut-être vous avez le double de la population maintenant qui a besoin d'infrastructures, peut-être pas de même nature. Et enfin, ce que je dis, c'est donner un contenu au concept de cohésion sociale. Parce qu'aujourd'hui, tous les partenaires, bien que le gouvernement a décrété, a lancé la notion de cohésion, tout le monde est aujourd'hui en train de travailler là-dessus. Et tous les financements sont en train d'être orientés vers ça. Et chacun va le prendre tel qu'il a compris. On va développer tout un argumentaire, tout un programme. Et parfois, on va faire 5 ans. Après, on va se rendre compte qu'on passe à côté. En matière de développement, c'est ce que nous avons fait pendant longtemps. C'est pour ça que de plus en plus, vous voyez, au niveau du pays, tout ce qui a comme financement, il est imposé que cela est l'aval du gouvernement. Que cela est l'aval. Que ça passe par le ministère des Finances. La première des choses, il faut élaborer votre programme. Où vous voulez aller? Vous avez besoin de quelles ressources? Pour atteindre quels résultats? Chaque partenaire qui veut accompagner vient s'arriver, vient soutenir, appuyer, vient accompagner ce qui est défini au niveau national. Nous mettons en place comme investissement est centré autour des collectivités locales pour que la gestion et la pérennité, la durabilité des ouvrages soient assurées parce que il ne faut pas que tout soit le portage que du projet. Le projet a une durée de vie et parfois le projet part avec tout ce qui devait accompagner pour le suivi. Nous sommes intéressés par les thèses qui sont en cours. Pour voir s'il y a
d'autres éléments qu'on peut déjà vous aider à prendre en compte. On a les ressources. Maintenant, vous proposez quoi? Il faut bien des projets de recherche qui captent, qui soient en lien avec les sujets d'intérêt, de préoccupation de ici, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Si un projet, parce que les conditionnalités du bailleur, tout ce qu'on met dedans, là, ne permet pas de décaisser le plan national, le fait que ce soit lié à la sédentarisation, nous avons la capacité de faire lever de fonds au niveau de notre budget national, parce que ça nous intéresse, parce que ça nous permet de faire bouger les choses. C'est notre fierté. On a envie que ce soit nos propres... C'est nous qui réfléchissons, c'est nous qui mettons les moyens. On n'est pas guidé, on n'est pas téléguidé. C'est en ça aussi que je voudrais nous rassurer. Bon, il ne faut pas que je prenne trop d'engagement. Parce que les étudiants et les professeurs sont là. Mais ce que je sais, on pourra trouver un certain nombre d'éléments qui peuvent mieux accompagner ceci. La présentation que j'ai faite ici, j'ai mis un focus sur le projet COSO. La Banque mondiale, comme vous le savez, les partenaires, ils ont souvent des zones d'intervention. Donc ce projet, ce financement de façon spécifique pour la Banque mondiale, a pris en compte les quatre départements du Nord. Mais le projet, c'est un projet national. Il y a d'autres projets pour des filages, il y a d'autres projets d'envergure nationale. Donc, tout ce que nous faisons, c'est que le modèle Nexus que vous voyez ici, on veut l'expérimenter dans certaines régions où le projet COSO est en train d'intervenir parce qu'on veut accompagner ça en termes de financement. Et la coopération suisse va mettre également des ressources complémentaires pour qu'on puisse concrétiser ce schéma. Pour l'instant, c'est un schéma. C'est au tableau. Mais il faut que sur le terrain, que ça devienne réel. On veut accompagner cela. On va faire des tests et ensuite on va étendre ces tests-là à l'échelle nationale. Et le budget national est prêt à dégager les ressources qu'il faut pour qu'on puisse l'étendre au niveau. Ce n'est pas que les partenaires. Mais quand on parle de semi-sédentarisation, nos parents, quand je vais à Kalalé, sont installés, sont des propriétaires terriens, il y a des lustres. Mais dans certains milieux, c'est tellement ancré dans la tête que le leveur n'est pas du milieu, que dès qu'on dit qu'il faut un certain nombre de témoignages pour délivrer l'ADC, c'est la fin du monde. Il faut qu'on sorte de ces pratiques à la limite malsaine en fait. Parce que les gars vivent ensemble, ils cohabitent très bien. Les gens ont leur terroir, ils ont leur exploitation, souvent ils ont leur champ, ils ont tout. Mais dès qu'on dit ADC, c'est le curieux général et puis tout le monde dit non, ils ne veulent pas. Donc quand on parle de sédentarisation, on dit le premier facteur de réussite de la sédentarisation, c'est l'accès au foncier. Donc dès qu'on dit accès au foncier, tout le monde se réveille. Donc c'est ces perceptions sur lesquelles nous devons beaucoup travailler. Dans nos réalités, quand vous prenez Borgo, quand vous prenez Alibouri, même quand vous descendez jusqu'à Guiga, j'interroge toujours les gens, mais qui est agriculteur, qui est éleveur? Tout le monde fait la même chose. Donc le véritable enjeu, c'est comment avoir le foncier, comment avoir l'espace à soi. On va plus loin, on dit, mais tout le monde est venu de quelque part. Là, il faudrait qu'on sensibilise, il faudrait qu'on informe, il faut qu'on communique beaucoup là-dessus. Et je le dis souvent, en partant de nous les intellectuels. Parce que c'est nous qui portons le germe ou de la paix ou de la guerre. La question d'être béninois soit béninois pour tout le monde. Et que l'accès aux ressources, l'accès aux foncier soit revu autrement. Et même le code domanial, il y a certains aspects qui doivent être revus.
Côté pastoral aujourd'hui, il y a certains articles qui sont caduques. Quand vous voyez le vrai éleveur qui est sur le terrain, vous n'avez pas besoin de le convaincre parce que lui, il est tous les jours face à la sécurité foncière. Il est toujours face au manque d'eau, au manque de pâturage. Donc, lui dit qu'on va aménager un terroir pour lui permettre d'avoir facilement accès à l'eau. Je donne à... Il n'y a pas de convaincre en fait. Lui, c'est... On prêche dans la parole de quelqu'un qui est déjà convaincu parce que lui, il vit ça mieux que nous, ou certains d'entre nous que j'appelle des théoriciens du développement ou des concepts. Les conflits que nous avons, on a souvent l'impression que c'est des conflits liés à la transhumance. Mais non, les conflits les plus récurrents que nous avons, c'est des conflits d'éleveurs agriculteurs qui cohabitent. En fait, ça s'accentue pendant la période de transhumance où d'autres viennent d'ailleurs. Ne sachant pas les interdits des autres, c'est le manque d'acceptation de l'autre. Le manque de tenue, de retenue par rapport à une situation qui dégénère. Et qui malheureusement, après, bon, chacun regrette. Mais le pire est déjà passé, le pire est déjà arrivé. Maintenant, notre défi à nous, en tant qu'intellectuels, techniciens et gouvernants, quelle réponse on leur apporte? Qu'est-ce qu'on leur propose? Il faut leur proposer une, deux, trois options pour que éleveurs et agriculteurs puissent se positionner. Le projet cohésion sociale, c'est un projet de tous les acteurs. Ce n'est pas que éleveurs. Parce que si vous dites que l'agriculteur a été financé pendant longtemps, et vous dites maintenant non, on laisse là-bas, on va financer ici, vous allez refaire les mêmes erreurs. Il faut accompagner les deux acteurs, d'accord, peut-être donner un peu plus d'accompagnement maintenant, là où il n'y en avait pas assez, pour que chacun puisse maintenant se retrouver. Il faut mettre en place des infrastructures qui donnent l'occasion à ces acteurs d'être souvent ensemble, qui les obligent à travailler ensemble, que chacun reste est dans son campement et regarde l'autre dans son village. Il faut les mettre, il faut les amener à rester ensemble. Agriculteurs et éleveurs sentent la nécessité qu'il y ait changement. Mais chacun est tellement jaloux de ses habitudes, chacun est tellement jaloux de ses avantages du moment, chacun veut vraiment garder ses prérogatives, son petit intérêt personnel, mais ça concerne les deux acteurs. Enclencher, démarrer le changement, c'est pas facile. C'est pour ça parfois le gouvernant, au-delà de donner des orientations, doit tirer ou pousser, en tout cas en fonction de là où on se sent le mieux, ou faire les deux, mais il faut quand même agir. S'il y a résistance ou s'il y aura résistance par rapport à certaines dynamiques liées au changement de mode de production, vous verrez que ça viendra plus du camp de l'agriculteur que de l'éleveur. Enfin, pour finir, je voudrais dire, autant on parle de faire évoluer le mode de production qui est l'élevage, autant il faut parler de l'intensification de l'agriculture. Il faut faire 1000 tonnes, il faut faire 1000 hectares. Tant qu'on se rend sur cette théorie, c'est sûr qu'on va droit dans le mur. Ça veut dire que tous les espaces d'ici 10 ans ou d'ici 20 ans vont être entièrement cultivés. Il faut qu'on intensifie, il faut qu'on change de modèle d'élevage. Mais travaillons en même temps sur le devenir de notre agriculture, sur l'intensification agricole ou certaines spéculations. Il faut qu'on résolve ce problème. Si Banikwara continue d'être tel que c'est, on ne va pas attendre 10 ans pour que ça devienne comme le Niger. Depuis 1989, que la PES, l'association pour la promotion du Niger au Sahel, ça va se mettre en place au Burkina, ils ont proposé un modèle de découpage comme ça, d'espace, ils appelaient chaîne de production continue, en tout
de façon permanente avec un château d'eau, un système de... C'est ça? Donc, modèle de sédentarisation depuis 89, c'était en réflexion dans les communautés pastorales. Et pourtant, comme la pression n'a pas été à son comble, on se dit toujours, non, on a encore du temps. Maintenant, on est en train d'aller contre le mur. On est obligé de trouver des solutions. Donc, chercheurs, développeurs, décideurs, on est obligé de nous mettre ensemble, trouver des solutions. On ne peut pas trouver ces solutions. On ne peut pas travailler dans la durée, dans la durabilité de certaines actions si on n'associe pas la recherche. Ça, moi, également, j'en suis convaincu. Donc, on est ensemble. Je vous remercie. Merci. Quelles possibilités on a face aux crises, face aux menaces qui pèsent sur tout ce qui est ressources naturelles, sur tout ce qui est ressources pastorales? En réalité, c'est une question de prospection. Au niveau macro, ce n'est pas tout de suite l'éleveur qui est forcément visé, mais on a des questions de sécurité. On connaît la menace sécuritaire qui existe, qui pèse sur les États aujourd'hui. À partir de ce moment-là, chaque État est invité à prendre des dispositions sur comment faire face à la situation. Et lorsqu'on descend à un niveau inférieur, peut-être même j'allais du départemental ou communal, discuter avec les acteurs, avec les maires, ils vous diront que les problèmes qu'ils gèrent le plus, ce sont les problèmes fonciers, ce sont les conflits entre agriculteurs et éleveurs qui prennent tout le temps, l'essentiel du temps qu'ils ont à passer. Descendons encore d'un cran au niveau des populations. Ne parlons pas de sédentarisation. Posons les problèmes, tels que le professeur Bako l'a dit. Regardons-nous dans le miroir et posons les problèmes. Voici ce qui existait comme disponibilité en terre. Voici là où nous allons. Qu'est-ce qu'on fait? Vous allez écouter les populations et elles vont dire, ah non, on ne peut pas croiser les bras. Pour moi, c'est déjà une forme, un début d'acceptation. Pour revenir au cas concret qui est en cours d'expérimentation à Tchati. Voyez-vous, le modèle est parti sur la délivrance d'une ADC. Mais ce sont les populations qui ont dit, ah non, si on délivre l'ADC au nom des individus, plus tard les investissements qui seront réalisés, ils pourront se réclamer de ce que cela leur appartient. Et ça pose un autre problème. Voyez-vous, l'idée est venue des communautés d'aller vers ce qui va désormais s'appeler AFA. Association foncière agro-pastorale. Et donc, les zones affectées par le projet, les acteurs sont d'accord pour se mettre ensemble. Une ADC sera délivrée sur l'étendue de cette superficie-là. Et chaque acteur qui va travailler sur cette superficie va bénéficier d'un droit d'usage. Ça veut dire que la communauté a accepté déléguer, les individus ont accepté de remettre leur droit à la communauté pour bénéficier des investissements, des projets. Et il a parlé de l'approche, c'est une approche DDC, développement conduit par les communautés. Il ne s'agit pas de venir avec une approche top-down et de faire tout. Non, ça part de la base. Je me rappelle qu'avant de démarrer, on a fait une étude de faisabilité. Après l'étude de référence dans le Borgo, au niveau du cas de Tchatchou, il y a eu une étude de faisabilité, une étude de perception, où les différents acteurs ont été interrogés et ce n'est qu'après ça qu'il a été identifié les différentes activités à mener avant de commencer par les conduire progressivement. Le chef d'arrondissement de Tchatchou, la zone dans laquelle le modèle est en cours d'expérimentation, lorsqu'il vous parle de ce modèle, vous êtes séduit. Et pour nous, c'est une forme d'appropriation. Moi, je pense que lorsque ces genres de préoccupations sont posées, ça nous amène à penser à des formes de rupture. Il y a un reproche qui est presque tout le temps éternellement fait à l'université. Je l'ai entendu en filigrane de la part du haut commissaire également. Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous avez? Et je suis sûr que si aujourd'hui, à cette rentrée, à cette cérémonie, à cette activité, devant le haut commissaire, les scientifiques avaient proposé des modèles, voici ce qui est plus durable, voici ce qui est testé, voici ce qui a été théoriquement robuste, nous avons mis du temps à le concevoir, je suis sûr qu'il serait preneur. Ça veut dire quelque part, l'université aussi a un rôle à jouer en termes de prospection.
C'est ce qui décourage certains bailleurs, certains partenaires. On continue de ressasser parfois les mêmes choses, les mêmes théories dans le temps. Alors que les réalités sont là, têtues à côté, il suffit d'aller à une forme d'endogénéisation des réalités locales dans un format scientifique. Et cela, tout le monde sera preneur. Et ce sont les projets de développement qui sont encore obligés, dans le cadre de ce qu'ils appellent faussement recherche-action, de proposer des modèles, et ce n'est qu'en ce moment que l'université peut-être se positionne. En tant que coordonnateur du PROPFR, je pense qu'il y a un travail qui se fait, on a un partenaire sûr à l'université, c'est le LACET, et depuis 2017, le ZFD est également dans cette dynamique-là, et bien d'autres projets. Ça veut dire qu'il ne faudrait pas qu'après le départ du haut commissaire ici, avant qu'on ne le retrouve, que ce soit peut-être vers la fin du projet pour qu'il vienne dire les résultats, non. Et comment on fait pour l'impliquer, comment nous-mêmes nous faisons pour nous impliquer à toutes les étapes. Ce qui ne se fait pas suffisamment, c'est la valorisation des résultats de recherche. Je le pense fortement, la valorisation. Parfois, de belles choses sont aussi faites, mais faute de visibilité, on ne les connaît pas. Et puis, c'est dans les tiroirs, personne n'en parle. Et on pense qu'il faut toujours tout reprendre, alors qu'il faut construire sur l'existant. Nous, en tant qu'éleveurs, là, on doit d'abord poser nos problèmes de façon claire et précise. Aujourd'hui, vous allez voir, dans le recensement, je pense 2019, l'éleveur qui avait le plus haut effectif en cheptel de gros ruminants au Bénin, il était à la date 5012 dans son effectif. Voilà. Vous voyez, si ce que la faculté agronomique avait commencé en n'apportant par exemple de l'aliment bétail pour augmenter la productivité du lait, si la recherche peut continuer dans ce domaine, ça veut dire que nous sommes preneurs. Ce que tu auras avec 100 vaches, si la recherche te permet d'avoir ça avec 10 vaches, aussi au niveau de l'insémination artificielle qui a été préconisée au niveau du projet Procer, donc ça veut dire que nous tendons encore la main à la faculté agronomique pour la mise à l'échelle. Pour vendre le plus souvent un pourrion à 200 000, il faut attendre 2 ans, 3 ans. Ailleurs, avec 5 mois, 6 mois, tu as le même revenu. Donc ça veut dire qu'il faut travailler dans ce domaine-là pour que nous puissions atteindre ces performances en lait et en viande. L'autre préoccupation, c'est au niveau de la durabilité. Lorsque il y avait les changements climatiques et les espaces pastoraux avaient été envahis par une certaine herbe, je pense que la faculté agronomique nous a aidés à reconnaître d'abord cette espèce d'herbe-là, qui n'était pas appétée par les animaux. Partout là où vous irez, vous allez voir maintenant cette espèce-là. La faculté agronomique avait quand même initié des formations sur la production fourragère. Donc, au niveau du projet COSO et procès, jusqu'à présent, il y a cette production fourragère-là. La mise à l'échelle doit rester de la compétence des facultés agronomiques à travers les étudiants que vous envoyez sur le terrain. Jusqu'à présent, il y a des acteurs qui trouvent qu'un producteur d'herbe est un semblant de fou. C'est parce qu'il a du maïs à manger, c'est pourquoi il produit de l'herbe. Alors que le truc face au changement climatique, ce que Dieu nous avait donné gratuitement, ça ne peut plus être durable. Donc ça veut dire qu'il faut l'accompagnement. Cet accompagnement-là, nous n'avons pas les techniques requises. Donc la faculté doit y veiller et travailler. Et tout ce qui nous préoccupe, c'est les couloirs de passage qui doivent conduire au lieu d'agrément et au lieu de pâturage. Pour que cela soit durable, il faut de la flexibilité. Parce que les zones de pâturage qui sont identifiées aujourd'hui, dans 5 ans, 10 ans, peuvent être des zones propices à l'agriculture. Donc pour que ça soit durable, il faut que cela soit être réfléchi de façon rotative pour dire que vous occupez ici,
et dans 10 ans, vous retournez là-bas, les agriculteurs de mettre ici. Ça fait de la complémentarité. Même aujourd'hui, dans les parcs ou dans des réserves qui étaient des zones interdites aux activités agro-pastorales, je sais qu'aujourd'hui, au niveau des collectivités décentralisées, il y a des arrêtés qui sont pris pour permettre aux agriculteurs d'aller exploiter, ou aux sous-éleveurs d'aller exploiter cet espace-là. Si nous sommes capables de le faire pour des animaux sauvages, ça veut dire que nous sommes aussi capables de le faire pour les animaux domestiques. Les chercheurs, normalement, ils veulent de l'argent sans interruption, parce que c'est la recherche. Lorsque tu as tes éléments en incubation et que tu as besoin de financement pour aller ouvrir, pour voir le résultat que tu as obtenu, on te dit que l'argent là, c'est ça en 3 mois. Donc ça veut dire que ça ne profite pas. Il faut y veiller, docteur, pour qu'effectivement on ait les ressources au moment opportun. Ça fait les gens vont reprendre, oui, c'est vrai, les gens vont reprendre toujours la même recherche. Juste ils iront mourir et ils n'auront pas les résultats. Donc le principe de la sédentarisation, il est réel et quiconque veut mettre ça en cause va revenir ici pour dire que vous avez eu raison. Pendant longtemps, les formes d'agriculture et d'élevage que les gens ont adoptées leur ont permis d'avoir des relations où chaque partie tire profit. Les éleveurs tirent profit, les agriculteurs tirent profit. On a comme l'impression qu'à un moment donné, un acteur, un détruit a pris place et a désorganisé. Et donc c'est aussi le moment que nous nous regardons dans le miroir pour nous demander est-ce que ces problèmes et ces conflits qui amènent aujourd'hui à parler de sédentarisation, c'est seulement du fait de l'absence ou de la rareté de la ressource ou bien il y a d'autres enjeux derrière. Je crois que c'est aussi des questions qu'il faut se poser. Il ne faut pas penser qu'en apportant seulement l'eau et le pâturage qu'on va solutionner. J'ai comme l'impression qu'il y a également des non-dits, hein, il y a des aspects sociaux que nous ne voyons pas, politiques même que nous ne voyons pas, qui viennent soit pour exacerber, pour aggraver, et donc ces problèmes, ces conflits-là, auquel cas si on ne fait pas attention, on a beau amener toutes ces ressources aux gens, on verra que les conflits vont toujours exister. Voilà. Si vous regardez bien le thème de cette rentrée, on a dit la sédentarisation, quelle opportunité ou bien quelle question, quelle contribution la recherche va apporter. Donc, en fait, c'est une occasion pour dire au commissaire, à l'ANOPER, aux ZFD, au PFR, à toutes ces communautés-là, que oui, ça nous intéresse, des préoccupations comme ça. Et que nous pouvons, nous savons trouver des solutions à ce genre de problème. Les modèles d'accompagnement des systèmes d'élevage doivent être revus. Et pour ça, il faut faire des réajustements au niveau de nos curricula de formation, de nos autres formations. Comment est-ce que la faculté d'agronomie, comment est-ce que des facultés ou bien des départements de géographie arrivent à proposer de nouvelles offres qui permettent à la fin d'avoir des compétences pour accompagner ce type de transformation. Le modèle Nexus qui a été présenté, c'est l'application de ce qu'on appelle les 8 principes de Eleanor Ostrom. Et le premier principe, c'est la délimitation de l'espace et de la ressource. Mais dans ces 8 principes, il y a d'autres éléments. Je suis sûr que c'est dedans ou ce n'est pas dedans, il faut qu'on y insiste. Dans ces 8 principes, après avoir délimité la ressource et l'espace, par exemple, il y a c'est quel mécanisme de gestion, c'est quelle forme d'accompagnement, quels sont les codes locaux que nous mettons en place pour gérer. Et là, on va se rendre compte que la sédentarisation devient comme une mesure, une innovation proposée par les politiques. Donc, on est là à l'échelle macro, mais au niveau micro, qu'est-ce que cela va entraîner? Comment est-ce que la recherche propose les modèles d'intensification d'élevage? Je crois que c'est à ce niveau que nous pourrons apporter la solution en plus de tout l'accompagnement socio-économique dont nous avons parlé. Que certains l'appellent sédentarisation, que d'autres l'appellent mobilité réduite. Ce dont il est question, c'est comment chaque acteur, et ici l'éleveur, arrive à mener ses activités
dans la durée. C'est pour leur bien-être. Les propositions qui sont faites, parce que le décideur ne peut pas rester sans rien faire. Donc, ces propositions-là que nous faisons, c'est comment nous les accompagnons pour que cela s'inscrive, que cela soit adopté dans la durée. Il faut noter que passer d'une forme d'élevage où on a une grande mobilité qui progressivement va venir à une mobilité réduite jusqu'à une absence de mobilité, c'est un processus de changement. Et tout changement appelle un accompagnement.